D'accord, tout le monde. Yaakov Avinu, avant la rencontre avec son frère Essav, il fait une tfila à Kadosh Baruch. Dans cette tfila, il dit Katonti mikol ha-chassadim ou mikol ha-emet. Katonti mikol ha-chassadim. Rashi nous explique, Dieu, je ne mérite plus rien du tout parce que tu m'as fait déjà trop de bien, tu m'as trop donné. Ou mikol ha-emet, même si tu m'as promis que tu allais m'aider, me soutenir, peut-être, j'ai déjà perdu mon mérite avec les années que j'étais chez Lavan et le fait que je n'ai pas respecté mes parents, que je n'étais pas là pour faire kiboud avraham, j'ai perdu cette protection. Mikol ha-emet, même si tu m'as promis quelque chose, peut-être je ne suis plus méritant. Imaginez-vous, il y a Yaakov Avinu, ce tzaddik, gamour, qu'il a étudié la Torah tout le temps dans la maison de son papa. Après, il est parti 14 ans dans la maison de Hever. Il a eu 11 tribus déjà. Toute sa vie au Oved Hashem. Quand il se met en tfila devant un Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Katonti mikol ha-chassadim. Je ne mérite rien en réalité. Il n'y a que ta grandeur et ta gentillesse de vouloir me donner quelque chose. Sinon, je ne mérite rien du tout. La Gemara raconte que à l'époque de Rabbeinu HaKadosh, il y avait de la famine. Et Rabbeinu HaKadosh ouvrait ses portes de sa maison pour les pauvres. Il est tout celui qui connaît la Torah qui vient manger. Je suis prêt à le nourrir. Bar Kapara, celui qui est mentionné dans le Pitouma Ketoret, Tane Bar Kapara, Hakeshishim, c'était l'élève de Rabbeinu HaKadosh. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise. Il ne veut pas recevoir par la Torah. Il vient et dit à Rabbeinu HaKadosh, donne-moi à manger. Rabbeinu HaKadosh lui dit, mon fils, tu connais une halakha? Il dit, non, Rabbi. Par nesseni ka kelev vecha orev. Donne-moi comment on donne à manger quand quelqu'un, il a un chien qui aboie devant sa porte et qui crie. C'est pas son chien. Et il lui donne les restes de sa nourriture, des os, un peu de viande. Donne-moi toi aussi, chesed. Quand un homme, il prie et il demande quelque chose à HaKadosh Baruch Hu, il faut se faire entrer bien dans la tête. HaKadosh Baruch Hu ne doit rien du tout. Tout ce qu'il nous donne, c'est un cadeau. Yaakov Avinu, on a quelqu'un de plus grand que Yaakov Avinu. Yaakov, quand il parle avec HaKadosh Baruch Hu, il ne dit pas tu me dois quoi que ce soit. Katonti, il dit je suis petit. Tu n'es pas redevable vis-à-vis de moi. Rien, rien. Katonti, Mikola Chassadim. Tu me dois rien du tout. Même si j'aurais du mal, je te remercie parce que tu me dois rien. Mais toi, avec ta gentillesse, tu m'as promis quelque chose par gentillesse. Réalise ta gentillesse en moi. Va'ata amarta hetev etiva imach. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, le bien que Hachem nous donne, c'est un bien absolu. L'homme ne peut jamais donner un bien absolu. Je vais donner un exemple très simple. Tu vois quelqu'un, tu lui dis comment tu te sens? Il te dit très très bien. Il est en bonne santé, très très bien. Le lendemain, il est mal. Comment tu te sens? Je suis mal fichu. Par contre, s'il était très malade et il commence à se sentir mieux dans mieux, même s'il était beaucoup plus mal fichu que le jour qu'il est mal fichu, il te dit je me sens bien. Je me sens mieux. C'est-à-dire que dans la vie de l'homme, tout est proportionné. Le bien est proportionné par rapport au mal. Quand quelqu'un était dans une situation mal, dès que ça s'améliore, donc il se sent bien. Et quand quelqu'un, ça se dégrade un peu, sa situation de bien, il se sent mal. Chez HaKadosh Baruch Hu, le bien, c'est le bien absolu. C'est un bien, et c'est pour ça que quand HaKadosh Baruch Hu, il nous promet un bien, ça ne peut pas jamais être dans ce monde. Quand HaKadosh Baruch Hu, il a dit, Kabed et Tavir Haveret Imecha, les mains à Nitavlar, pour que tu auras du bien, ça ne peut jamais être dans ce monde. Parce que dans ce monde, tout est proportionné, une chose par rapport à l'autre. Le mal, c'est par rapport au bien, et le bien, c'est par rapport au mal. Quand HaKadosh Baruch Hu nous promet un bien absolu, ça ne peut pas être dans ce monde. La grandeur de la tfila, c'est de venir devant Hachem comme quelqu'un qui s'efface complètement. Même Moshe Rabbeinu, après 515 prières,
qu'il a faite pour rentrer en Eretz Israël. Ce Moshe, le dirigeant de la génération, celui qui a fait sortir les Béné Israël d'Égypte, qui leur a donné la Torah, qui était là pour les protéger, pour les couver, pour faire tout ce qu'il a fait avec Am Israël, quand il a besoin de rentrer en Eretz Israël, il dit à Kadosh Baruch Hu, et à Berana, s'il te plaît, Enna el alashon bakasha, s'il te plaît, donne-moi, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Dans la tefila, s'attacher à Hachem, quand tu te dis, je n'ai rien, je ne mérite rien, je demande qu'un cadeau, ta tefila, t'es beaucoup plus concentré dans ta tefila. Quand tu penses qu'il y a quelqu'un qui te doit quelque chose, t'es moins concentré. Mais quand tu te dis, je veux essayer de lui demander quelque chose, il ne me connaît pas. Imagine-toi un homme, il était dans le bus ou dans le train, il a perdu son portefeuille, et il n'a pas de téléphone, il n'a rien du tout. Il est à une grande distance de sa maison, il veut rentrer chez lui. Et il a besoin de demander aux gens dans la rue, ou un service, un coup de téléphone, quelques pièces pour pouvoir retourner chez lui. Avec quel langage il parle? Quel besoin? Il se sent dans le besoin. Parce que quand on parle avec Hachem, on se sent comme ça. Kadosh Baruch Hu, je n'ai rien, sans toi je suis rien. Je te demande de réaliser ta bonté sur moi en me donnant ce que tu veux me donner. Ça doit être une tuile. Katonti mikol ha-chasadim mikol ha-emet. Ça, c'est ce qu'Yaakov Avinu nous a enseigné dans la tuile. Yitzhak Avinu, il dit, Dieu, rappelle-toi de ma akeda. Yaakov Avinu, Hachem, tu me dois rien. Et pourtant, quelque part, si on regarde ce que Hachem devrait donner par rapport aux actions, Bevadel que Yaakov est chargé de bonnes actions, chargé de bonnes actions. Mais plus que tu es tzadik, plus que tu es proche de Kadosh Baruch Hu, tu dis Katonti, je suis plus petit. Il y a beaucoup de personnes qui disent, comment Hachem m'a fait ça? Moi, je suis bon, je suis gentil, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu. Qu'est-ce que tu comprends? Tu n'as rien compris dans ta vie. Ce que tu penses que tu ne comprends pas, ben, mais tu ne comprends pas. Il n'y a pas du mal qui descend du ciel pour rien. Ça n'existe pas. Même le mal, comme j'ai dit, pour nous, le mal, c'est parce qu'il est toujours proportionné au bien, à une bonne situation. Donc, tout ce qui se dégrade devient mal. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas ni mal, ni bien. Il y a un comportement. Il y a aider la Neshama. Le seul bien qu'il peut y avoir, ce n'est pas dans ce monde, c'est dans le monde des Neshama. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait dans ce monde, c'est que pour notre bien. C'est pour nous diriger dans un chemin assez haut pour vers un tikkun. Et si l'homme ne prend pas ça sur lui, ne reçoit pas d'une bonne façon cet ordre d'Akadosh Baruch Hu, il est très loin d'Hachem. La tefila, c'est le seul moyen pour ressentir Hachem. La tefila, on ne demande pas à Hachem. La tefila, on sent à quel point on dépend d'Hachem. C'est pas qu'on demande. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a besoin. Il nous donne, avant qu'il demande, je leur donne. C'est ce qu'on dit dans la tefila du jeûne. Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce que nous avons besoin. La tefila, c'est d'avoir la conscience qu'on reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la tefila. Rien qu'après une tefila si grande de Yaakov Avinu, tout est annulé. Le fameux Esav, même quand il voit Yaakov encore, il veut lui faire du mal. Yaakov, quand il se prosterne cette fois, il ne se prosterne pas pour Esav, il se prosterne pour Hachem. Et quand Esav, la dernière fois quand Esav il s'approche devant Yaakov, Kadosh Baruch Hu qui renverse le cœur de Esav, va Yarot Esav Likrato. Esav qui court pour enlacer son frère Yaakov. Grâce à quoi? Grâce à la tefila. La tefila, c'est le plus bel outil qu'on a dans la vie. Le plus bel outil pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Hier, j'ai vu un Baruch Yeshiva qui m'a. Ça veut dire qu'Hachem est capable d'influencer une personne, une personnalité aussi forte, aussi éloignée de lui que Esav. Il est capable de lui mettre dans la tête qu'il doit être bien. Mais Bataille, oui. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que Esav,
voulait, même quand il embrassait Yaakov, il voulait lui faire du mal, mais la seconde même, il a eu un amour exceptionnel qui lui est ressorti vis-à-vis de Yaakov. Et il a embrassé son frère, il a pleuré sincèrement avec amitié et amour pour Yaakov. Quelqu'un qui a voulu le tuer, quelqu'un qui a envoyé son fils Eliphaz pour tuer son frère. Grâce à la tefila, elle peut changer tout. Parce que dans la tefila, on a compris une chose. La tefila, on a compris qu'on n'a rien compris dans la vie. Qu'il n'y a rien qui dépendait de nous. Qu'il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible. Tout est possible. L'homme, quand il rentre dans les notions humaines, c'est possible de faire, je vais faire, je ne vais pas faire. Il est dans ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Chez Akadosh Baruch Hu, En, haïpale me Adonai davar. C'est ce que les anges ont dit à Sarah. Quand Sarah elle rigolait, elle disait, j'ai 90 ans. À 90 ans, je vais accoucher un enfant. Qu'est-ce qu'ils ont dit les malachim? Haïpale, le fait qu'une femme qui a 40 ans qui accouche, ça tu le comprends. Pourquoi? Parce que c'est basé sur une statistique et sur une norme que tu as vue. Quand on parle avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas une statistique. On demande pas quelque chose qui rentre dans la statistique. On demande d'avoir la main d'Hachem. On demande d'avoir la main d'Hachem. Yaakov Avinu aussi, il regardait la statistique. Il aurait été découragé totalement. Et ça, il vient avec 400 personnes. Tu ne vas pas voir ton frère pour lui rendre visite avec 400 personnes. Il y a quelqu'un qui va voir son frère avec 400 personnes, il amène avec lui. 400 personnes, c'est un mariage. C'est forcément, ils ne viennent pas pour lui faire du bien. Ils viennent pour lui faire du mal. La bataille qui vient de lui faire du mal. Et la force de la tefila, elle renverse tout. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne peut pas savoir comment ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, Itaalech Molahad, Melokolaret Kvodo, il a ses manières à faire. Il ne nous dit pas comment il fait. Il ne nous dit pas comment il fonctionne. Il ne nous dit pas qu'est-ce qui change dans le cœur de l'autre. Mais on sait qu'il peut tout faire. Devant cette dimension d'Hachem, Yaakov Avinu a dit Katom Timikol Achazadim, mais c'est pareil que ça. Yaakov, il ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, bah, mon frère Esav, fais-lui. On ne fait pas des programmes pour Hachem, comment ça doit se passer. On demande une chose, ma protection. Protège-moi. Dans la halakha, il est écrit, Rabbi Yehuda Hassid, il dit dans Sefer Hassidim, qu'on n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu comment nous faire la délivrance. Sefer Hassidim, il amène un exemple. Il dit à un homme qu'il est amoureux d'une femme. Il est amoureux d'une femme, il veut se marier avec elle. Dans toute cette filoche qu'on a, il dit Dieu, mets dans le cœur de cette femme qu'elle m'aime et qu'elle voudra se marier avec moi. Il dit, c'est assourd de faire une fila comme ça. Pourquoi c'est assourd? Peut-être le mazal de cette femme est beaucoup plus fort que le mazal de cet homme et dès qu'il va se marier avec elle, il deviendra pauvre ou ça va lui raccourcir sa vie. C'est possible. Quelqu'un, il veut, il demande à Kadosh Baruch Hu, je veux avoir de l'argent. Toi, tu sais qu'est-ce qui va se passer si tu auras de l'argent? Que ton voisin, il sera jaloux de toi, il voudra te faire du mal. Que dès que tu auras de l'argent, tout d'un coup, il va y avoir des problèmes de shalom bayit entre toi et ta femme, entre toi et ta famille. Donc tu demandes, mais tu ne sais pas en réalité qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Même quand on fait des tefilotes à Hachem, il faut dire, Dieu, moi je te demande, parce que moi, petit comme je suis, je pense que c'est ça ce qu'il faut pour moi. Mais si c'est pas bon pour moi, surtout pas, ne me le donne pas. Moi, je suis rien. Katon ti mikol chesed. Même ton chesed, je n'arrive même pas à l'analyser. Je n'arrive pas à comprendre le chesed d'Hachem. Rabbi Akiva, un soir, il va avec son âne. Rabbi Akiva, il avait un poulet. Le poulet, c'était la montre réveille le matin. Qui crie et qui le réveille, c'est ce qu'on dit dans la Birkat HaShachar, Avechim Mitzadei Gaver, quand le coq, il crie. Et il avait une bougie. Il rentre dans un village le soir, il cherche où être hébergé le soir. Il tape dans les portes, personne qui veut l'accueillir. Il n'a pas où dormir, il fait comme Yaakov avec nous, il sort en dehors de la ville.
ça en dehors de la ville, il a sa torche qui est allumée, tout d'un coup il y a un vent terrible qui vient, qui lui éteint la torche. Donc, il ne sait plus où être, qu'est-ce qu'il fait, il voit un arbre, il n'a pas eu le temps de s'organiser, de mettre des pierres autour de lui pour dormir, il se met à côté d'un arbre, tout d'un coup il y a un chat, un gros chat qui passe, qui lui prend le coq et qui lui... Il se sauve avec le coq, il lui a mangé le coq. Rabbi Akiva, il a peur, il est en panique. Il voit tout d'un coup des animaux qui viennent s'attaquer à son âne. Qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe sur l'arbre et il se cache. Au milieu de la nuit, il comprend pas, Kadosh Baruch Hu. Tu m'as pas mis où dormir. Le soir, j'ai pas pu dormir. J'ai pas trouvé un hébergement pour dormir. Tu m'as pris le coq. Tu m'as pris l'âne et tu m'as éteint le feu. Que j'avais la torche. Au milieu de la nuit, il y a un groupe de brigands qui rentrent dans le village, qui massacrent tous les hommes du village. Et qui prennent tous les enfants à l'esclavage. Et Rabbi Akiva, il est sur l'arbre, il les voit en train de passer sous l'arbre, et il est en haut. Akadosh Baruch Hu, on l'a pas laissé dormir là-bas. Ensuite, Akadosh Baruch Hu lui a tué son âne, pour ne pas que l'âne crie. Il lui a pris le coq et il lui a éteint la torche. Un homme ne sait pas. Un homme ne sait pas le chesed d'Hachem. Dans le mal, il faut se remplir des mounas que si Hachem l'a fait, c'est pour mon bien. Et dans le bien, remercier Hachem pour le bien qu'il a fait. Ça, c'est la mouna de Yaakov. Yaakov, il est dans un moment où il pense qu'il va tout perdre. Il pense qu'il y a une Shoah qui va venir. Et son frère Esav, avec 400 personnes qui viennent, avec une seule idée d'exterminer Yaakov, autrement, il n'y en a pas avec 400. Et Yaakov, dans ces moments-là, la seule chose, la dernière chose qu'il fait, c'est pas, il ne se sauve pas. Il fait une tfila. Et la tfila, ce n'est pas une tfila en panique. Ce n'est pas une tfila qui dit Dieu, tu es obligé de me sauver, il ne va pas y avoir Am Israël. Tu as promis. Katonti Mikol Hasadim Mikol Aemet. Pourquoi? Parce qu'il dit, et nous on oublie. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov quand il est sorti de la maison de ses parents pour aller vers la maison de Laval? Il dit à Dieu, Dieu donne-moi du pain à manger, un morceau de tissu pour couvrir mon corps. Il n'a pas demandé des enfants. Il a rien. Il dit, maintenant je reviens avec 11 enfants. L'homme il est conscient du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, que dans un grand moment qu'il est en train de passer à côté. Il a peur de perdre sa vie. C'est là qu'il est conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il est à l'hôpital, il était en danger de vie. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il demande? Dit Dieu, tu sais quel est mon plus grand rêve? C'est qu'un jour, je pourrais manger du pain et manger d'une assiette. Je suis dans des machines. Je n'arrive pas ni à manger ni à boire. Je suis avec une perfusion. C'est la seule chose. Quelle est la fila de cette personne? Et Natatali Lechem Lechol. Begedilvosh, un habit à mettre, pas un habit d'hôpital. Pas une tenue d'hôpital, une chemise normale et un pantalon et pouvoir sortir dehors. C'est ce que je te demande, Dieu. Et quand il sort du danger, il a déjà un problème avec son voisin, avec son copain. Sa vie n'est plus vivable parce qu'il a un problème. Quand tu étais là-bas, tu avais la perfusion, tu as demandé un bout de pain pour manger. Tu as demandé un habit et pas un pyjama d'hôpital. Et maintenant, tu te poses toutes ces questions. On perd souvent la notion de vie. Dans le moment du Emet, c'est ça, c'est Katonti, Nicolas Hassadim, Nicolas. Que vous attachez en naissant en nous. Quand on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est vraiment Katonti, Nicolas Hassadim, se plier, se courber, se prosterner devant Hachem et de sentir que tout ce qu'on demande, c'est qu'un cadeau pour nous. Quand on vit de cette manière, la vie est bien plus belle. Bonne journée à toutes et à tous.